Avant de partir vivre à Dubaï, Jazz, son compagnon Laurent et leur fille Chelsea ont été pris pour cible par des braqueurs. Le petit ami de la candidate de télé-réalité s'est fait passer à tabac devant sa femme qui a été gazée avec son enfant de seulement 4 mois à l'époque des faits. Même si elle ne vit plus en France où s'est déroulée cette expérience fort regrettable, Jazz a emporté avec elle des traces de cette agression. Les faits remontent à avril dernier, mais tout semble s'être déroulé hier dans la tête de Jazz. Dans une interview accordée à Téléstar, la jeune femme est revenue sur les conséquences de ce drame. J'ai appris dans la vie à être forte. Je me dis que mon conjoint et ma fille n'ont rien de grave. Je ne vais pas montrer aux gens que je suis malheureuse, ils ne me suivent pas pour voir ça. Le braquage dont elle a été l'une des victimes, a changé sa manière de vivre. Je garde ce qui ne va pas pour ma famille. Je suis traumatisée. J'ai peur d'être dans le noir. Je ne vais pas au frigo chercher un verre d'eau seul le soir. Je ne reste pas dans ma maison toute seule. Je vérifie si toutes les fenêtres sont fermées. J'espère qu'avec le temps, ces peurs vont partir. Elle a ajouté qu'elle n'allait pas se laisser abattre pour autant. Je ne vais pas arrêter de vivre. Il est hors de question qu'on se laisse abattre. Je ne vais pas arrêter de travailler pour leur donner satisfaction. Les téléspectateurs pourront retrouver le couple, le 16 juillet prochain sur TFX dans la villa, La Bataille des Couples.